Les deux personnalités ont examiné la question de la réhabilitation d'une école primaire de Maïmpili, de Ngabé, dans le département du Pôle. Avec un bâtiment de 3 salles de classe, un bloc administratif et un logement d'astreinte, l'école va accueillir environ 350 apprenants. C'est une zone très isolée où les enfants n'ont plus rien, plus d'école. Il y a eu des inondations l'année dernière et donc cette fois-ci, on a décidé de reconstruire une école en hauteur qui va servir les trois villages, Maïpili 1, Maïpili 2 et Maïpili 3. Une des raisons principales pour notre visite de courtoisie, c'était de demander l'autorisation de l'État pour pouvoir faire les travaux et qu'on puisse construire ce bâtiment rapidement pour que les enfants puissent se retrouver dans de bonnes conditions scolaires et que pour 2025, on espère de pouvoir inaugurer cette école. Jean-Luc Moutou et la présidente de la Fondation Appui International pour le Développement Durable ont également abordé la question de reboisement dans la zone de Ngabé dans un contexte de changement climatique.